Bonjour, je suis Gisèle Tchamala. Je travaille à l'Agence nationale pour la promotion des investissements en tant que sous-directeur en charge de l'aftercare, qui est le suivi et l'accompagnement des investisseurs. Je représente M. Anthony Kinzo Kamole, directeur général de la NAPI, qui est pris par d'autres charges et à qui il a été demandé de faire une présentation sur les politiques de promotion des investissements agricoles en RDC dans le cadre de l'activité organisée par Bilanga et Abedou. Voilà. L'agenda que nous allons présenter ici contient 9 points. Nous allons commencer par présenter la NAPI, qui est un service de facilitation des investissements. Et puis nous avons le deuxième point, nous allons présenter les données générales sur la RDC et les données spécifiques en matière agricole. Nous allons présenter ensuite la politique du gouvernement en matière d'investissement. Nous parlerons de la vision sectorielle, de l'état des lieux du secteur agricole et nous allons aussi évoquer les points sur l'assainissement du climat des affaires. Ensuite, nous parlerons de la promotion des opportunités d'investissement et de la promotion de l'entrepreneuriat local et nous allons chuter sur la conclusion. Parlons de la NAPI. La NAPI est un service technique qui est placé sous la tutelle du ministre ayant le plan dans ses attributions. C'est un établissement public à caractère technique qui est doté d'une personnalité juridique et de l'autonomie de gestion. La NAPI a été instituée par la loi portant code des investissements et aussi par le décret qui porte statut, organisation et fonctionnement de la NAPI. Nous allons en plus vous présenter les missions de la NAPI. La NAPI a 4 missions fondamentales, à savoir la promotion d'une image de marque de la RDC, le plaidoyer pour l'amélioration du climat des affaires, la promotion des opportunités du pays et l'accompagnement administratif et service aux investisseurs. Après vous avoir présenté brièvement la NAPI, nous allons passer sur la présentation des données générales sur la RDC. Nous vous présenterons d'abord les informations en rapport avec la position géographique de la RDC qui est entourée de 9 pays frontaliers sur une superficie de 9165 km. Ce sont des informations connues de tous et qui a une population de 91 994 000 habitants dont 60% des jeunes. Ce sont les statistiques de l'INES de 2017. La taille du marché de la RDC est de plus de 200 millions de consommateurs, et ça compris les consommateurs des pays environnants. Nous allons vous présenter aussi les informations spécifiques. Pourquoi nous parlons des informations spécifiques par rapport à l'agriculture? Parce que c'est fondamental de pouvoir être informé des spécificités, des caractéristiques de la RDC en matière agricole. Sans ces informations, il est difficile de pouvoir entreprendre dans ce secteur. Ces informations, vous pouvez les avoir auprès du ministère de l'Agriculture, mais aussi en consultant le site web de la NAPI. Sur le site, nous présentons le cahier sectoriel de l'agriculture où vous avez plus de détails, notamment sur le climat, la pluviométrie, sur la végétation par province, sur le type de sol par province et sur les zones agroécologiques, qui sont des données essentielles pour pouvoir vous orienter dans la réalisation d'un projet agricole. En plus de toutes ces informations, il est important de connaître le plan national stratégique de développement de la RDC que nous appelons le PNSD. Parce que c'est ça l'outil sur lequel il faut s'appuyer pour comprendre la politique d'investissement en RDC. C'est ça le cadre stratégique unique de référence pour les interventions de toutes les parties prenantes au développement. Mais il y a aussi avec l'obligation de résultats et de rédévabilité. Ça, c'est ces deux points qui sont très importants et que vous allez comprendre dans la suite. Alors, ce programme est basé sur 5 piliers, à savoir la valorisation du capital humain,
qui est très important, surtout dans le secteur agricole. Il y a l'aménagement du territoire et nous allons nous pencher plus sur les infrastructures aussi. Il y a la diversification sectorielle, notamment l'agriculture, parce que la RDC a opté pour la diversification de son économie et l'agriculture est placée en premier. Il y a le développement durable et il y a la gouvernance. Ce programme national stratégique de développement est en fait le chemin de la transformation structurelle de l'économie congolaise et qui a deux axes principaux, à savoir l'assainissement du climat des affaires et la promotion des opportunités d'investissement. C'est un cadre stratégique unique de référence pour les interventions de toutes les parties prenantes au développement avec l'obligation de résultats et de redevabilité. Alors, je vais passer sur le second point. Je vais vous présenter la vision sectorielle du chef de l'État qui se résume en un point. Il est temps que le sol prenne sa revanche sur le sous-sol. La RDC a la réputation d'être une richesse minière, mais aujourd'hui, nous avons opté pour la diversification et donc pour l'exploitation du sol et de l'agriculture, en fait. Et la vision du gouvernement, elle se résume en ce que nous visons la sécurité alimentaire de la population, tout en approfondissant les chaînes de valeur pour plus d'emplois. Donc il y a deux points, il y a les chaînes de valeur et il y a l'emploi. L'emploi qui est un point important, qui conduit au bien-être de la population. Les objectifs visés, c'est restaurer la sécurité alimentaire, accroître la production végétale, animale et halieutique, renforcer la contribution de l'agriculture à la croissance économique et à la création d'emplois et renforcer la coordination du secteur. Je vais passer maintenant sur l'état des lieux du secteur agricole. Je veux vous présenter d'abord les potentialités. Ces potentialités sont devenues un discours. Nous les connaissons tous et nous avons des opportunités aussi. Et ce sont des opportunités qui jusque-là n'ont pas permis de pouvoir transformer les potentialités en richesse. Ce sont des opportunités qui n'ont pas permis à l'éclosion de l'agriculture. Quelles sont ces potentialités? C'est un marché de 250 millions d'habitants. Nous avons des réserves d'eau douce, la deuxième du monde. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables et nous avons un potentiel d'irrigation estimé à 4 millions d'hectares. Et ça, c'est juste à titre indicatif. En termes d'opportunités, vous savez, nous avons une agriculture de subsistance, donc qui est incapable d'assurer l'indépendance alimentaire du pays et de générer suffisamment de revenus et des emplois. Donc aujourd'hui, il y a l'opportunité de pouvoir transformer cette agriculture et la production à ce jour ne progresse qu'à 2%. Et donc il faut intensifier cette production et cette agriculture doit être mécanisée. Voilà autant et de défis et que nous pouvons présenter ça en termes d'opportunités. L'assainissement du climat des affaires est le point suivant sur lequel je veux me pencher, mais juste brièvement. La RDC est dans un processus de plusieurs réformes qui sont opérées dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. Les avantages de ces réformes sont notamment la réduction des coûts, la réduction des délais et l'authentification des statuts au sein du guichet unique, et cette authentification elle est facultative. Les formalités sont faites en un point unique, comme je l'ai dit, au guichet unique de création d'entreprise. La recherche automatisée de dénomination sociale. Vous pouvez avoir une dénomination sociale dès que vous arrivez au GUS. Le GUS vérifie de manière systématique, automatique, de manière spontanée, si effectivement il n'y a pas une autre société qui existe sous la même dénomination. Et puis il y a l'implantation de ces antennes du guichet unique qui vont se déployer dans toutes les provinces. Et ça, c'est l'avantage de notre adhésion, l'adhésion de la RDC au droit WADA.
qui nous donne plusieurs formes, la possibilité de créer plusieurs formes de société selon le choix des uns et des autres. Vous avez d'abord la personne physique qui est la forme la plus simple. Avec 30 dollars, vous pouvez créer cet établissement, votre établissement avec 30 dollars et vous payez juste les frais en plus, les frais bancaires. Vous avez la deuxième forme, c'est les sociétés commerciales. Les sociétés commerciales, nous en avons quatre. Il y a d'abord la société par action simplifiée. Nous avons la société commerciale qui est la SARL, la société par action à responsabilité limitée ou la SALI. Ce que je voudrais juste relever, que ce sont les deux sociétés qui sont généralement créées en RDC. Il y a aussi la société en commandite simple que nous appelons SCS et puis la société en nom collectif que nous appelons SNC. Voilà les quatre sociétés commerciales qui existent sous la forme WADA. Nous avons en plus d'autres formes, dont la société coopérative et le groupement d'intérêt économique. Dans le cadre de l'agriculture, évidemment, vous pouvez choisir les sociétés qui sont les plus adaptées et qui sont favorables. Vous pouvez avoir votre propre établissement parce que vous devez être formalisé. Hein, c'est le point de départ. Vous pouvez avoir une SARL qui vous permet d'exister en association avec d'autres ou même seul, mais d'être une personne morale et non pas une personne physique. Et après, vous avez justement les deux formes de société, coopérative et le groupement d'intérêt économique qui sont les plus indiqués pour la promotion de l'agriculture. S'agissant des coopératives, je veux un peu donner plus justement de commentaires sur ces deux formes que j'ai citées en dernier. C'est que c'est une structure dans laquelle plusieurs personnes se mettent ensemble pour exercer une activité agricole, artisanale ou financière et se partagent les charges et les bénéfices de leurs activités. C'est un groupe de personnes physiques ou morales qui s'associent librement pour atteindre des buts économiques communs. L'intérêt est de mener ensemble une activité efficace et d'assurer la promotion sociale et la protection des épargnes des membres. Ça, c'est la coopérative. S'agissant des groupements d'intérêt économique, la différence, c'est que pourquoi il y a cette distinction, c'est parce que pour ce qui concerne le groupement d'intérêt économique, c'est une structure qui permet à plusieurs établissements ou sociétés commerciales de se mettre ensemble pour faciliter et développer des activités respectives. Donc chacun peut avoir ses activités dans différentes filières. Chacun existe, a ses propres activités, mais vous vous regroupez justement parce que vous poursuivez les développements de toutes ces activités-là. Donc chacun dans ce groupe peut s'épanouir à travers le développement de ses propres activités. Alors, quel est l'intérêt? Se constituer, vous pouvez constituer ça sans un capital social, parce que vous tous, vous existez déjà. La responsabilité des membres est illimitée et solidaire. Ça veut dire que vous ne pouvez pas tomber seul. Quand vous voulez tomber, il y a des autres qui sont là pour essayer de vous soutenir. Voilà, vous vous tendez la main et c'est plus facile d'avancer comme ça. Et parce que vous avez le partage des risques et aussi le partage des difficultés, mais aussi le partage des bénéfices. La direction est assurée par les administrateurs et on respecte l'indépendance juridique et économique des membres. Et ça, c'est très important. Voilà. Je reviens sur la formalisation de l'entreprise. Quel est l'avantage? L'avantage, c'est une meilleure organisation et un meilleur accès au marché. Et vous pouvez aussi accéder à plusieurs opportunités. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a certains entrepreneurs ou certains, je peux dire, agriculteurs qui pensent que ce n'est pas possible pour moi de pouvoir me formaliser. Pourquoi? Parce que si je me formalise, j'ai en face moi de l'État, l'État qui sera là en train de me harceler. Vous voyez que les taxes, il y aura des taxes, il y a des tracasseries administratives, il y a ces charges et tout ça. Mais c'est aussi le fait de vous formaliser vous met à l'abri justement de ces tracasseries administratives parce qu'en ce moment-là, vous avez une identité et vous avez aussi un cadre réglementaire
qui vous permet de pouvoir évoluer dans un environnement qui est assaini et non pas en marge de la loi. Et il n'y a pas que la procédure générale de création d'entreprise, il y a aussi quelques perspectives qui sont pour l'amélioration du climat des affaires. Je ne veux pas m'étaler sur toutes les réformes qui sont en cours, mais ce que je peux juste évoquer, c'est que le gouvernement vient d'adopter la feuille des routes pour l'amélioration du climat des affaires. Il y a plusieurs indicateurs qui sont pris en compte, dont ceux dont je vais vous citer maintenant, qui ne présentent qu'un échantillon, la dématérialisation du processus de mutation immobilière. Ça, c'est vraiment un grand défi chez nous. Généralement, il y a des problèmes en ce qui concerne la mutation immobilière, non seulement en termes de attester que les documents sont authentiques, il y a les coûts qui sont parfois arbitraires, vous avez en face de vous des agents peut-être qui sont véreux, et avec cette dématérialisation, ça permettra d'assainir ce processus. La création d'entreprises en ligne, donc ça sera encore plus performant que ce qui se fait en ce moment. Vous avez la mise en place du guichet unique de délivrance de permis de construire. Le permis de construire à ce jour, c'est aussi un grand, il y a aussi un grand défi dans ce domaine-là. Et donc, s'il y a un guichet unique de délivrance de permis de construire, ça évitera que vous puissiez avoir plusieurs intervenants et plusieurs opérateurs ou chacun avec des discours différents. Vous avez la télédéclaration et télépaiement et ça, ça vous permet de ne pas être tout le temps là en train de vous déplacer ou de vous attrouper ou de laisser vos occupations pour aller à ces obligations. Il y a l'informatisation des circonscriptions foncières. Et là aussi, c'est une très grande réforme parce que je peux dire la majorité des conflits que vous trouvez au tribunal, c'est dans le domaine foncier. Et donc, une fois que ça sera informatisé, il y aura vraiment un assainissement dans ce domaine-là. Et il y a une autre réforme qui est très importante, surtout pour les PME, c'est la mise en place du guichet unique de paiement de taxes et impôts pour les PME. C'est effectif à Kinshasa et on va l'étendre en province. Et plus récemment, ça sera dans le Haut-Katanga. Et ça, ça va mettre les opérateurs économiques à l'abri de beaucoup de tracasseries. Alors, comment se développe le secteur agricole? Il y a des axes stratégiques qui sont ciblés dans le programme du gouvernement pour la promotion de ce secteur, notamment l'industrie, les infrastructures et l'énergie. Je veux maintenant parler de la promotion des opportunités d'investissement qui est le second axe que nous avons évoqué plus haut. Et les axes stratégiques de développement du secteur agricole. Le secteur agricole ne peut pas se développer de manière isolée. Il est lié à d'autres secteurs, notamment l'énergie, les infrastructures et l'industrie. L'énergie, parce que vous ne pouvez pas transformer et vous ne pouvez même pas faire une agriculture à grande échelle sans l'énergie. Les infrastructures, nous sommes tous d'accord que c'est vraiment un préalable parce que sans infrastructure, vous ne pouvez même pas acheminer vos produits dans les centres de stockage ou même vers les points de vente ou de distribution. C'est un grand défi et donc tous ces secteurs contribuent à l'industrialisation de l'agriculture. Et ça, c'est dans le cadre de la diversification de notre économie qui est basée sur l'élargissement des chaînes de création de valeur agricole qui nécessite le développement des infrastructures et de l'énergie. Parlons du secteur agricole tel qu'il est énoncé dans le PNSD. Il vise des filières bien définies et aussi des domaines bien définis, notamment pour ce qui concerne les cultures, c'est des cultures pérennes et aussi les cultures vivrières. Mais il y a aussi le domaine végétal, animal et halieutique. Ça ne s'arrête pas là, il y a aussi un accent qui est mis sur les paysans, producteurs et aussi les parcs agro-industriels qui visent la relance et l'extension justement
différentes filières que nous avons évoquées plus haut. En plus de ce que le programme énonce, il y a des informations justement sur les différentes spéculations par province, des différentes cultures que nous avons énoncées, les filières. Pourquoi ces spéculations sont-elles importantes? Cela permet de maximiser les rendements. On ne peut pas juste s'hasarder de viser une filière et dans un environnement donné et de se lancer en disant oh non, moi j'ai un terrain à Bibois, je suis intéressé par le maïs et je veux y aller. Vous allez y aller, vous allez échouer. Et vous allez dire que j'ai dépensé de l'argent pour l'étude de sol. Non, c'est l'agronome qui ne m'a pas dit la vérité et tout ça. Et donc, ce que je vous invite, c'est à prendre connaissance justement de ce tableau qui vous est présenté, où vous avez les différentes cultures, les différentes filières, vous avez les différentes spéculations par province, et je peux notamment vous citer quelques produits tels que le manioc, le maïs, le riz, l'arachide, les bananes plantain, la pomme de terre, l'igname, le blé, le sorgho, vous avez aussi le haricot, ainsi de suite, la tomate, l'oignon, et vous avez les cultures pérennes que vous connaissez, les veillards, le coton. Toutes ces cultures-là, il ne faut pas vous hasarder à aller le faire là où vous voulez et comme vous voulez. C'est mieux d'avoir toutes ces références qui sont importantes pour pouvoir vous orienter. Et parlons du secteur de l'industrie. Nous allons parler des zones économiques spéciales. Elles sont importantes parce que ce sont des sites qui sont aménagés pour faciliter l'implantation des unités de production. Généralement, cela vise l'exportation. Aujourd'hui, nous avons le défi que la RDC présente en termes de sa participation à toutes les opportunités qui s'offrent dans le cadre de la ZILECA et aussi dans le cadre de la GOA. Moi, j'entends parler les promoteurs agricoles, j'entends parler les entrepreneurs, ils sont perdus. Je suis dans des groupes où ils disent la RDC ne fait rien, on ne sait même pas comment avancer, il n'y a rien qui est fait, nous ne savons pas par où commencer. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de vous montrer un chemin que je vous demande de prospecter d'abord, explorer. Et comme il y a déjà des préalables que nous vous avons présentés, vous allez voir, il y a plusieurs zones économiques. Il y a une carte qui vous présente les différentes localisations, c'est des projets. Mais à ce jour, il y a deux zones qui existent déjà. C'est la zone de Maluku, qui est pilotée par la ZES. La ZES, c'est l'agence qui est en charge de, justement, de cette zone économique spéciale et qui est basée à Maluku et dont les filières sont la pharmacie, les emballages, l'agro-industrie et les matériaux de construction. Donc, vous qui êtes dans l'agriculture, vous pouvez investir dans cette zone-là. Il y a une deuxième zone qui est au Katanga. Mais les autres zones sont ouvertes et donc c'est aussi des opportunités d'investissement. En tant qu'aménageur ou alors en tant qu'entreprise, c'est un choix que vous pouvez faire. Et il y a des avantages qui sont liés à ces zones que vous pouvez justement lire en profondeur sur le site de l'ANAPI ou de la ZES. En dehors de ça, je voudrais vous parler des infrastructures. Comme je l'ai dit, que c'est fondamental. Nous avons un état de lieu des infrastructures et qu'il faudra vraiment que ce soit développé. Et c'est prévu dans le programme du gouvernement pour permettre l'industrialisation du pays et le développement de l'agro-industrie. Il y a la construction des routes, des infrastructures énergétiques et de transport d'appui à l'industrie. Il y a la construction de nouvelles infrastructures en fonction des besoins des industries. Et donc, les investisseurs qui sont intéressés dans ce domaine, il y a des avantages qui sont liés à ça et qui peuvent explorer. S'agissant de l'énergie, c'est vrai que c'est un grand défi chez nous. Je ne veux pas m'étaler sur les obstacles, les difficultés qu'on rencontre. Je veux juste vous peut-être présenter un modèle de réussite,
Nous, déjà au niveau de l'ANAPI, nous avons agréé plusieurs projets, hein, des projets qui sont dans les énergies renouvelables. C'est des projets qui ont été réalisés dans plusieurs provinces, non seulement à Kinshasa. La production de gaz, aujourd'hui, même à Kinshasa, il y a beaucoup de gens qui commencent à délaisser les fours électriques justement pour avoir les réchauds à gaz. Hein, ça, c'est aussi un projet qui a été agréé à l'ANAPI. Vous avez à l'est aujourd'hui, il y a la production du gaz. Hein, et il y a aussi la biomasse et tout ça. Et je vous donner aussi un modèle, par exemple, pour les miniers dans le Haut-Katanga qui ont établi des contrats avec la SNEL pour pouvoir créer de micro-barrages. Et en ce moment-là, c'est des projets qui sont gagnants-gagnants. Et donc, vous investissez dans la production de l'énergie à travers la construction de ce micro-barrage. Et en retour, vous avez des allègements et vous avez des rabattements, des redevances et tout ça. Et donc, c'est des avantages qui sont gagnants-gagnants. Je vais passer à un autre point qui est le financement. On ne peut pas dire qu'on parle de la promotion de l'entrepreneuriat local sans évoquer la question de financement, je pense qu'il est la question clé pour les PME. Nous avons une institution non bancaire qui est le Fonds de promotion de l'industrie. Le Fonds de l'industrie, c'est un fonds qui est mis à la disposition de tous ceux qui veulent créer des unités de transformation. Et en général, les opérateurs disent que c'est inaccessible. Les conditions sont contraignantes et les PME n'arrivent pas à accéder à ce fonds. Alors, il y a un moyen d'y accéder. Si vous voulez, vous pouvez vous affilier par exemple à l'OPEC et qui a signé un contrat avec le FPI. Et donc, à travers l'Office de promotion des petites entreprises, vous pouvez accéder à ce fonds, vous pouvez avoir cette facilité-là. Il y a aussi une autre subvention, c'est la création d'un fonds de garantie. Et tout le monde a dit, mais au niveau de la RDC, il n'y a aucun appui, nous ne savons pas comment nous pouvons accéder à des crédits. Et aujourd'hui, c'est dans ce processus-là et en cours d'opérationnalisation au niveau du ministère de l'Entrepreneuriat. Et tout récemment, on a nommé les mandataires pour cette question. Et à quoi va servir ce fonds-là? Ce fonds-là, c'est pour faciliter l'octroi des crédits des PME auprès des banques. C'est un instrument de couverture des risques d'insolvabilité des crédits qui sont accordés aux PME. Et voilà, aujourd'hui, c'est une innovation. Je voudrais, en dehors de ça, essayer d'évoquer aussi une autre forme de subvention financière qui avait été accordée aux PME et qui, je pense, à ce moment, en cet instant, est encore en cours au niveau de l'Est. Hein, c'est un concours des plans d'affaires qu'on appelle COPA, qui est une initiative du projet d'appui au développement par le ministère. Aujourd'hui, c'était le ministère des PME quand ça a commencé, et aujourd'hui, on parle du ministère de l'Entrepreneuriat à travers l'unité de coordination de projet PADEM-PME. Alors, vous avez toutes les références sur le site de PADEM-PME et même du ministère de l'Entrepreneuriat où vous pouvez avoir l'objectif de ce concours et justement de soutenir la croissance et la performance des micro, des petites et de moyennes entreprises. En dehors de ce financement, ça c'est des modèles de financement direct. Les financements directs, il y en a de plusieurs ordres. Les privés peuvent s'organiser eux-mêmes pour s'autofinancer. Mais ici, nous allons nous limiter à vous présenter les financements qui sont prévus par le gouvernement et l'État congolais. En dehors de ça, il y a des financements indirects. Généralement, quand on parle des exonérations et qu'on parle des incitations douanières et fiscales, les gens ne lient pas ça au financement. C'est un financement indirect parce que l'État consent de ne pas percevoir pendant une certaine période des taxes, des impôts pour essayer d'alléger vos charges.
et vous permettre, quand vous démarrez votre projet, d'avoir un retour sur investissement dans un délai réduit. C'est une facilitation qui est vraiment importante et je déplore le fait que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises et de promoteurs ne se focalisent pas sur ça. Dans la tête, on a l'impression que ce sont des avantages qui sont accordés seulement pour les grandes entreprises. Vous êtes une PME, vous pouvez accéder. Il est vrai que ce n'est pas le lieu ni l'occasion pour moi de vous présenter les statistiques que nous, l'ANAPI, nous avons, des projets qui ont été agréés au cours des investissements et des avantages. Ce sont des entreprises que vous avez autour de nous, non seulement des étrangers, mais des Congolais. Et donc, essayez d'entrer en profondeur, de voir et de bénéficier de ces avantages qui sont à votre portée et qui sont à votre disposition. Et donc, cela vous contredit quand vous dites que l'État congolais ne vous accompagne pas, ne vous soutient pas. Parce que, en plus, le financement, ce n'est pas seulement l'argent. Vous pouvez avoir cet argent. S'il est mal placé, vous n'aurez pas un retour sur investissement. Je vais vous donner l'exemple du concours qu'il y a eu. Les gens ont souscrit au concours. Vous avez le concours. Vous pouvez avoir cet argent, vous vous dites, je veux avoir des équipements. Si vous prenez le cash, vous allez payer des équipements. Il vous reste quoi? Il vous manquera même le fonds de roulement. Mais si en plus de cet argent, vous bénéficiez des incitations qui concernent aussi bien les droits d'entrée et de douane pour les équipements et le matériel destiné à votre projet, qui est des exonérations de la TVA sur l'importation de ces équipements. Vous avez l'exonération sur le bénéfice et le profit. Vous avez l'exonération sur l'impôt foncier, qui est une grande exonération surtout pour ceux qui sont dans l'agriculture parce qu'ils exploitent la terre. Vous avez toutes ces exonérations et vous vous imaginez pendant 3 à 5 ans, qui est la période que vous avez, la période de démarrage de votre activité. Vous voyez que si vous avez ces allègements, vous pouvez avoir plus facilement un retour sur investissement et vous pouvez même acquérir plus aisément ces équipements et pouvoir bien développer votre projet. Et ces investissements sont aussi bien dans le code des investissements. La loi agricole donne des avantages qui sont complémentaires aux avantages qui sont prévus dans le régime général du code des investissements. Donc, si vous n'avez pas des exonérations sur les intrants au niveau du code des investissements, sur la loi agricole, vous avez ces exonérations-là. Si vous n'avez pas des exonérations sur certains équipements au niveau du régime général, vous les avez sur la loi agricole. Et l'avantage des avantages dans la loi agricole, c'est à longue durée par rapport aux avantages qui sont au code des investissements, qui sont bien définis par rapport aux zones économiques. Et vous avez aussi quelques incitations qui sont prévues dans la loi sur l'électricité. Si aujourd'hui vous vous dites, moi je veux produire de l'électricité, moi je vais importer de l'électricité, vous avez aussi certains avantages. Et cela s'étend aussi sur une loi qui est qu'on appelle partenariat sur les chaînes de valeur. Et ça là, c'est complémentaire à tout ce que je vous ai dit ici. Vous voyez, il y a tout un arsenal d'avantages qui vous sont accordés. Vous ne vous en appropriez pas. Vous n'allez pas en profondeur pour savoir comment vous pouvez en bénéficier. L'ANAPI est là pour vous donner toutes les informations. L'ANAPI est là pour vous accompagner sur le processus justement de bénéfice de ces avantages. Vous orienter, vous faciliter le contact avec les différents services qui sont impliqués dans l'octroi de ces avantages. En plus de toutes ces incitations, je voudrais relever ici la loi sur le partenariat qui est justement en perspective. Hein? Le ministère, il travaille, le ministère de l'entrepreneuriat, et cette loi prévoit aussi des incitations spécifiques en faveur des PME. Il est vrai que je viens de vous présenter plusieurs avantages. Ces avantages sont logés dans les lois qui ont été promulguées. Ces lois, vous pouvez les avoir au niveau du journal officiel.
Mais le journal officiel a un site que vous pouvez justement visiter. Vous pouvez avoir des détails sur tous ces avantages sur le site web de l'ANAPI qui vous sera présenté aussi au niveau, à la fin de cette présentation et aussi au niveau de différents ministères sectoriels. Vous pouvez avoir ces avantages douaniers que nous avons présentés. Mais je veux plus vous encourager à visiter le site web de l'ANAPI. C'est investindia.cd. Pourquoi? Parce que nous avons posté des cahiers sectoriels, nous avons posté des brochures qui vous donnent des informations exhaustives sur tout ce que nous avons présenté ici. Et nous sommes disposés, après que vous ayez pris connaissance de toutes ces informations, vous pouvez revenir vers nous pour avoir plus de détails. Il vous suffit de vous adresser à nous à travers notre site web. Ces questions et ces préoccupations vont nous revenir et nous nous ferons le plaisir de vous répondre. Parce que si nous ne vous répondons pas, ce que nous faisons pas notre travail. Or, nous faisons notre travail avec beaucoup de plaisir et notre souci, c'est que vous puissiez justement être performant et que vous puissiez développer correctement vos projets et réaliser vos rêves. L'entrepreneuriat local, c'est vrai qu'on en parle de plusieurs manières. Moi, je veux juste ici me limiter à l'approche et la stratégie de l'ANAPI. Que je peux définir en termes d'assistance et d'accompagnement des entrepreneurs. La stratégie que nous avons mise en place, c'est le partenariat de l'ANAPI avec différents services publics. Vous voyez que j'ai énuméré beaucoup de services publics là-bas. Il vous est peut-être, vous, difficile d'interagir avec plusieurs services en même temps pour différentes questions. Mais à travers ce partenariat-là, nous essayons justement de faciliter cette interaction. Nous avons un partenariat avec l'OPEC, qui est l'Office de petites et moyennes entreprises congolais. Et donc, vous pouvez travailler, si vous travaillez avec l'OPEC, vous allez voir que l'OPEC est tout le temps avec l'ANAPI. Quand nous nous déployons sur le terrain, nous sommes ensemble, nous essayons de donner des services, d'offrir des services qui soient complémentaires, notamment dans le cadre de la vulgarisation des textes légaux. Je vous invite vraiment à vous en imprimer. Vous connaîtrez vos droits, mais aussi vos obligations. Parce que nous avons parlé dans le PNSD des obligations et de la rédivabilité. Les deux vont ensemble. Vous voulez bénéficier des avantages, mais vous avez aussi des obligations. Et donc, pour que nous puissions avoir un partenariat gagnant-gagnant, essayez d'abord de prendre connaissance des textes légaux. Je vous ai donné les références. Mais nous descendons sur le terrain pour faire ce travail. Nous facilitons aussi, comme je l'ai dit, l'interconnexion et l'accès aux services publics. Si vous allez sur notre site, vous allez trouver beaucoup de liens que l'ANAPI a placés sur son site. Qui vous réfère à différents services publics où vous pouvez avoir des informations que nous avons postées sur le site mais que vous pouvez avoir des informations complémentaires ou même vous pouvez maintenant après avoir pris connaissance entrer en contact avec les services techniques justement qui peuvent avec qui vous pouvez interagir sur des projets précis. Nous avons aussi le partenariat avec le secteur privé dont la FEC, Copemico, la FENAPEC et autres. Ce que je voudrais relever dans ce cadre de partenariat, c'est que l'ANAPI ne veut pas travailler qu'avec des grandes associations, des grandes organisations. Que ce soit un regroupement des artisanaux, que ce soit un regroupement, comme on a dit, un groupe d'intérêt économique, nous sommes ouverts à toutes les catégories. Et c'est comme ça que je peux relever justement le partenariat que nous sommes en train d'établir avec Bilanga Yabetu,
et qui a fait qu'aujourd'hui, quand vous regardez sur leurs annonces, vous avez vu le logo de l'ANAPI. C'est justement dans le cadre de ce partenariat. Et nous allons le formaliser, non seulement avec l'ANAPI, mais avec toutes les personnes qui sont intéressées à pouvoir bénéficier des services qui sont offerts par l'ANAPI. Il vous suffit d'en formuler le besoin et de nous approcher à travers les contacts que nous avons donnés. Alors, qu'est-ce que nous poursuivons à travers ce partenariat avec le secteur privé? C'est collecter les doléances des opérateurs économiques qui sont établis. Dès que nous les collectons, nous formulons des plaidoyers auprès des décideurs. Et ce sont ces plaidoyers-là qui conduisent aux propositions des réformes et même de la feuille de route qui a été validée par le gouvernement. Comme pour vous dire que tout commence par la base, tout commence par vous. La démarche est d'abord de recruter, de collecter les doléances à la base et de pouvoir rapporter l'information au haut niveau pour que, quand nous faisons des réformes, qu'il y ait vraiment des retombées d'abord au niveau de la base et ensuite au niveau du gouvernement. Il y a le sponsoring et généralement c'est dans les activités promotionnelles. Nous sommes très actifs dans ce domaine-là, mais sous certaines conditions. Hein, ce n'est pas des chèques en blanc que l'ANAPI donne. Non, mais l'ANAPI soutient. Ce sponsoring, ce n'est pas seulement l'argent. Ça peut être un appui technique, ça peut être un appui matériel, hein, et ainsi de suite, selon le besoin qui se présente. Il y a le réseautage avec les partenaires potentiels d'affaires. Aujourd'hui, nous parlons de beaucoup d'activités qui sont en pleine préparation. Je peux citer Expo 2020 Dubaï. Il y a beaucoup d'opportunités dans cette activité-là parce que les opérateurs aujourd'hui peuvent accéder, avoir des desks, ça veut dire des petites tables, des points de vente et promouvoir leurs produits. Il y a tout un accompagnement du gouvernement qui est là pour qu'il y ait une visibilité non seulement de la RDC, mais aussi des entrepreneurs congolais. Si vous êtes intéressé à participer à cette activité, vous pouvez nous contacter. Il y a maintenant ce qui est plus spécifique, c'est MacFruit. MacFruit, c'est une activité spécifiquement agricole qui est dédiée aux agriculteurs et qui aura lieu en septembre. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer, vous pouvez y participer de manière virtuelle. Ces informations-là, ces annonces seront sur le site de l'ANAPI. Vous pouvez les consulter et pouvoir en bénéficier. Je voudrais terminer par insister sur le fait que l'ANAPI est une main qui vous est tendue. L'ANAPI n'est pas seulement un service technique du gouvernement. L'ANAPI, c'est l'interface du secteur public auprès du secteur privé. Et donc, nous faisons un service d'intermédiation, mais à tous les niveaux. Donc, l'appel est lancé à vous tous. Nous vous avons fait une présentation. Elle est brève. Elle ne contient pas tout. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à vous approcher de l'ANAPI. Et je peux vous dire, entreprendre en RDC et réussir dans les affaires, c'est possible. Avec l'ANAPI, bien investir pour une RDC prospère. Je vous remercie.